Bienvenue à la rubrique « Dis-moi, apôtre ». Le frère Julien de Paris nous a posé une question très importante. J'ai cette question ici. Il dit « Je ne sais pas quoi dire à Dieu, comment développer ma relation avec lui ?» C'est une très belle question parce que la vie chrétienne est une relation qu'on a avec Dieu et c'est important qu'on ait des choses à dire à Dieu. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut dire à Dieu. Dieu est un ami, Dieu est un père, Dieu est un compagnon fidèle. Dans vos temps de prière, vous pouvez lui parler de vos défis, lui parler de vos difficultés et vous pouvez aussi lui parler de votre amour pour lui. Vous pouvez aussi lui parler de ce qu'il est, de son caractère et de sa nature. Vous pouvez aussi communier avec Dieu au sujet des versets bibliques que vous avez lus et que vous ne comprenez pas. Vous demandez au Saint-Esprit de vous expliquer. Ça peut être aussi des alibis pour pouvoir communiquer avec le Seigneur. Une clé très importante. Plus vous connaissez la parole de Dieu, plus vous étudiez la parole de Dieu, plus vous écoutez des prédications, vous aurez des éléments pour nourrir votre relation avec Dieu. Parce que votre communion avec Dieu doit être en accord avec les Saintes Écritures. Une dernière clé pour pouvoir avoir des mots dans vos temps de prière et dans vos moments de relation personnelle avec Dieu, fréquentez des chrétiens qui ont une forte relation avec Dieu et priez avec eux. Et pendant que vous priez avec eux, écoutez ce qu'ils disent à Dieu. Et vous aussi, imitez tout simplement et ça viendra tout seul. Bien sûr, quand je dis imiter, il faut que ça coïncide avec vos besoins. Il faut que ça coïncide avec vous-même en fait. Est-ce que vous me suivez? Gloire au Seigneur. Ben, je crois que cette réponse vous a béni. Vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire juste en bas du player. Aucune question n'est stupide. N'hésitez surtout pas. Nous allons traiter vos questions dans les prochaines rubriques « Dis-moi, apôtre ».